Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te parler de 5 accessoires pour ton ZV-E10 ou ton ZV-1 de chez Sony. Grâce à Sony Benelux, j'ai pu avoir le ZV-E10 deux semaines avant sa sortie, de façon à vous préparer cette vidéo. Donc, tout au grand merci à eux. C'est un excellent boîtier de vlog, un excellent boîtier pour le stream, un excellent boîtier pour se filmer, mais également pour prendre quelques photos. Bref, un excellent boîtier pour créer du contenu pour tes réseaux sociaux. Twitch, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, que sais-je encore, c'est vraiment l'arme parfaite. Mais le boîtier tout seul ne vaut rien sans quelques accessoires que tu vas lui mettre avec, et c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Alors c'est aussi bien compatible pour le ZV-1 que pour le ZV-E10, sauf pour un accessoire, le premier, qui est bien évidemment l'objectif que je te conseille avec. Fatalement, sur le ZV-1, l'objectif est intégré et n'est pas interchangeable, donc tu ne sauras pas le changer. Par contre, sur le ZV-E10, même si l'appareil est formidable, sans un bon objectif, il ne vaudra rien. Ce que je te conseille ici, c'est le Sony 10 18mm f4. C'est un ultra grand angle allant de 10 mm jusqu'à 18, donc c'est vraiment un super champ de vue, ouvrant à f4 avec une stabilisation optique, donc pour te filmer à main levée, ça va pas trembler du tout, c'est bien stabilisé. Il a une super bonne qualité d'image dès 10 mm. Tu vas avoir du coup des images tant en photo qu'en vidéo qui sont vraiment super grand angle, et ça c'est un réel plus pour ta création de contenu. En plus de ça, il est plutôt compact et plutôt léger, ce qui matche bien avec le ZV-E10. Ça donne du coup une excellente prise en main dans l'ensemble. Il a un autofocus très réactif, ce qui va te permettre du coup de pouvoir te filmer en face cam sans avoir aucun problème de flou. Il va à chaque fois traquer ton œil, traquer ton visage et du coup à chaque fois faire une mise au point dessus très rapidement. Donc le 10-18, c'est vraiment l'objectif que je te conseille par-dessus tout. Évidemment, comme pour chaque accessoire, je te laisserai un lien affilié en description. Ça te coûtera pas plus cher, mais si jamais tu cliques dessus et que tu achètes via mes liens, bah ça soutiendra mon travail. Donc d'avance, un tout grand merci. Deuxième accessoire que je te conseille, tant pour le ZV-1 que pour le ZV-E10, c'est cette poignée, qui est juste absolument indispensable. Alors ça n'est pas qu'une poignée, hein, ça va te servir également de trépied si tu veux le poser sur une table, mais ça peut également te servir juste à te vlogger, à te filmer. Et sur la poignée, tu vas retrouver quelques commandes de façon à ne plus devoir toucher à l'appareil. Cette poignée fonctionne avec le Bluetooth de ton appareil directement, donc c'est du sans fil. Et une fois ton appareil relié et accroché à la poignée, tu pourras du coup appuyer directement sur les boutons d'enregistrement, tant pour la photo que pour la vidéo. Tu as également un bouton C1 qui va du coup te permettre d'avoir le bouton C1 préprogrammé sur ton appareil, et tu auras également les commandes de zoom et de dézoom tout simplement sur la poignée. Donc ça, c'est un réel plus si jamais tu as l'habitude de te vlogger. Tout tombe directement sous la main, tout tombe directement sous le pouce. C'est très très agréable à utiliser et c'est surtout très vite indispensable. Troisième accessoire dont j'aimerais te parler, et en réalité cette fois je vais te donner deux solutions différentes, on va parler de micro. Au niveau des micros, on est plutôt bien garni chez Sony également. Ici j'ai monté le B1M qui est un micro que j'utilise maintenant depuis déjà quelques années, sur notamment le Sony A6600, sur le Sony A7S3 lorsqu'ils sont sortis, et qui est bien évidemment compatible cette fois avec le ZV-1 et le ZV-E10. Ici, c'est ce qu'on appelle un micro canon, ça veut dire que du coup, tout ce qui est devant le micro va être bien capté, ce qui est derrière le sera un peu moins. Ça dépend un peu des réglages que tu vas lui mettre, mais en général, c'est plutôt ça. C'est un micro qui est sans fil également, il faut juste directement le mettre sur la griffe flash de ton appareil. Attention, c'est bien évidemment celle de l'appareil. Si tu déportes le micro, si tu le mets ailleurs, évidemment, ça ne fonctionnera pas vu que les connecteurs sont sur l'appareil directement. C'est un micro de super bonne qualité. Il est livré avec son chat mort. En anglais, on appelle ça un dead cat. Bref, cette petite moumoute qui va te permettre du coup, même lorsqu'il y a du vent, d'avoir un son clair et surtout de bien entendre ta voix lorsque tu te filmes. Mais si tu veux une deuxième solution de micro, je peux également te parler de ces micro-cravates également de chez Sony. Un micro-cravate, c'est ce que je porte actuellement. C'est un micro qui va généralement se mettre à l'endroit de la cravate, hein, d'où son nom. Et ici, ce produit te permet de ne pas avoir de câble entre toi et ton appareil. Tu vas avoir du coup un récepteur directement sur la grille flash de ton appareil et tu vas avoir l'émetteur en poche qui est relié du coup au micro qui viendra se mettre ici. Ça te permet d'être plutôt mobile devant la caméra et de ne pas dépendre d'une certaine distance. Si jamais tu as envie de te filmer de très très loin, le son sera également très bon vu que le micro est toujours près de ta bouche. La distance entre toi et la caméra du coup n'affectera pas du tout le son enregistré. Ici, pareil, le récepteur se met directement sur la grille flash. Il n'y a pas d'autre câble entre le récepteur et l'appareil, hein, vu que c'est de nouveau le même connectique que le micro dont je viens de te parler auparavant. Et l'émetteur, tu viens le mettre en poche et évidemment, n'oublie pas. Tandis que l'émetteur sera dans ta poche, évidemment, n'oublie pas de le raccorder avec le micro-cravate qui est fourni également.
Pareil avec ce micro, tu vas retrouver tout type de dead cat, tout type de moumoute, comme je t'expliquais, à mettre sur tes micros de façon à protéger du vent, si jamais il y en a lorsque tu enregistres ta vidéo. Quatrième accessoire dont je te parle dans cette vidéo, c'est pour celles et ceux qui bougent énormément avec leur caméra, avec leur appareil photo. Si jamais tu embarques toujours le tout dans un petit sac à dos ou un sac en bandoulière, personnellement, moi ça m'énerve lorsque je dois prendre le temps de retirer mon sac pour aller chercher mon appareil dedans ou de demander à la personne qui m'accompagne d'aller fouiller dans mon sac en le gardant dans le dos. Ce que je fais du coup, c'est ceci. Je viens tout simplement, il est accroché ici, utiliser un Peak Design Capture V3. Le Capture V3, c'est un système d'attache de chez Peak Design. C'est une marque qui fait des accessoires absolument dingues, je t'invite vraiment à jeter un coup d'œil. C'est une accroche que tu viens attacher un peu n'importe où. Certains le mettent à la ceinture, d'autres le mettent sur la bretelle de leur sac à dos, d'autres encore le mettent sur des sacs en bandoulière. Tu as vraiment énormément de choix. Est fourni avec cette attache un petit plateau rapide qui est juste ici, que tu viens visser en dessous de la caméra. Et une fois que ce petit plateau rapide est fixé, tu vas pouvoir venir le mettre sur ton sac à dos, en tout cas sur ton attache, très rapidement. Alors n'ayez pas peur, ça ne tombe pas, je l'utilise déjà avec des caméras et des appareils photo bien plus lourds, bien plus gros que le ZV-1 ou que le ZV-E10, et je n'ai jamais eu aucun problème. J'ai déjà couru avec, j'ai déjà sauté avec, ça ne bouge pas. Mais ce serait ridicule de faire ça en studio, voilà. Grâce à un tout petit bouton que tu peux verrouiller si tu veux plus de sécurité, tu peux en un seul clic, en un seul mouvement, retirer ton appareil de l'attache pour du coup l'avoir en main, filmer tout ce que tu veux, faire un peu de vlog, faire quelques photos, et une fois que tu as terminé, hop, tu viens le remettre tout simplement. C'est très rapide, j'utilise ces attaches-là depuis maintenant plus de 2 ans, et je ne pourrais plus m'en passer. Je ne suis vraiment pas fan des sangles, tant les sangles de cou que les sangles de poignet, c'est un truc qui m'énerve. Je préfère utiliser ce genre d'attache. Cinquième et dernier accessoire que je me dois de te présenter pour ton ZV-1 ou ton ZV-E10, ce sont des petites lumières. J'imagine que si tu achètes ce genre d'appareil, c'est pour également te filmer, que ce soit pour faire du stream, pour faire de la vidéo, YouTube, Instagram ou quoi que ce soit d'autre. Et quel que soit ton appareil ou ton objectif, la qualité de ta vidéo dépendra énormément de ta qualité de lumière. Alors évidemment, le plus simple et le plus gratuit est de filmer près d'une fenêtre ou dans une pièce qui est bien éclairée. Malheureusement, dépendant de l'heure, de la région ou du contenu que tu veux créer, c'est pas toujours possible. Alors ici, je vais te présenter du coup 2 styles de lumière et je t'en mettrai d'autres également en description. Le premier, c'est un panneau plutôt gros qui est sur batterie externe ou sur pile. Je te déconseille les piles, hein, ça consomme beaucoup et ce sera très vite cher du coup. Attention que les batteries externes sont en général pas fournies avec. Je mettrai également tout ce qu'il faut en description. C'est ce genre de panneau-là que j'utilisais au début de ma chaîne YouTube et qui donne un rendu plutôt satisfaisant. Deuxième lumière que je te présente ici, c'est un peu plus petit du coup comme panneau LED, sauf qu'ici on a une batterie intégrée, ça se recharge en USB-C. Tu peux le recharger également en powerbank et ça permet d'avoir une plus petite lumière à dépanner dans son sac à dos si jamais tu te vlogs, si jamais tu pars en voyage ou en vacances ou que tu bouges souvent. Ce genre de lumière-là est du coup beaucoup plus compacte, elle est très puissante. La preuve en est, elle est plutôt assez puissante, ici elle est réglée sur du rouge. Bien évidemment, tu peux jouer avec la couleur. Bref, tu l'auras vu, elle est assez puissante et en plus elle a un mode boost si je ne me trompe pas. Voilà, qui permet du coup d'avoir encore plus de lumière, l'autonomie est plutôt bonne. Elle dure entre 45 et 60 minutes, soit près d'une heure. Et ça permettra du coup de te dépanner dans certains tournages où la lumière vient à manquer. Bref, j'espère que tu auras aimé ces 5 idées d'accessoires pour ton Sony ZV-1 ou ZV-E10. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas, à laisser un pouce bleu et puis pourquoi pas à partager une vidéo sur tes réseaux sociaux. Bref, nous on se retrouve jeudi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao !